Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu. Et peur abattre, que certains restent où ils abandonnent. Je prie visant le lieu. Ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine qui n'a jamais été touchée. Place-moi, Seigneur, je veux atteindre le sommet
et voir luire la gloire éclatante. Mais avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Mène-moi, Seigneur, plus haut, que je me tienne par la foi sûre, plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Passe-moi, Seigneur,
seul. Je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient m'apporter. Seigneur, ton corps fut brisé.
si ton sang enlève ma souillure et qu'il expie tout mon péché. S'il peut laver mon âme impure, c'est que tu es mort pour mon péché. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton flanc sanglant. C'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut pris. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton front sanglant et méprisé. J'ai compris que c'était pour mes crimes. Seigneur, ton corps fut brisé. À Golgotha, devant ta croix bénie, j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me rend vainqueur. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton front sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes, que le Seigneur ton corps fut pris. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton flanc sanglant, t'es méprisé. J'ai compris que c'était pour mes crimes, que Seigneur, ton corps fut brisé. Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Certainement que nous vous avons beaucoup manqué. Et il y a eu au moins trois ou quatre services comme ça, des matins, des 20 heures, que nous n'avions pas pu faire. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus par la grâce de Dieu pour essayer de prier pour toutes les requêtes. Et je crois que notre Dieu répondra comme il a l'habitude de le faire. Donc nous allons reprendre cela petit à petit, comme je suis dans le voyage et tout, aller chercher les visas parfois comme ça, à gauche et à droite. Donc ça nous prend un peu plus de temps et ça perturbe les choses. J'étais à Brazzaville, je suis revenu et ici, je suis allé à l'ambassade de Grande-Bretagne. C'était vraiment compliqué. Et nous sommes revenus donc ce matin pour pouvoir vous parler et prier aussi pour nos frères et sœurs, pour toutes leurs requêtes. Donc, nous allons lire tout d'abord les requêtes de ce que nous avons reçu ici. Donc, nous allons lire, il est écrit, « Shalom, révérend, ma requête pour ce matin de vainqueur, que Dieu me remplisse d'un vrai Saint-Esprit authentique et qu'il me donne aussi l'argent. J'aime servir Dieu. » Frère Augustin Balandaï, Petite Fleur Tabernacle à Kinshasa. « Shalom, révérend pasteur Life du ciel, intercédez en ma faveur pour que Dieu soit premier dans ma vie et qu'il me guérisse des maladies de thrombose veineuse,
de l'ennemi qu'il m'aide à faire le choix de mon fiancé selon son cœur, qu'il paye mes dettes, qu'il bénisse mes activités. Sœur Élise, Branham Tabernacle, Pain de Vie, à Lomé. J'ai besoin d'argent pour trouver une nouvelle maison. Je demande au pasteur Lifoko, par son Dieu, pour débloquer ma situation financière. Frère Marcel Kalenda, depuis Lubumbashi. Shalom papa, je suis en construction, mais présentement bloqué par les finances pour faire avancer les travaux. C'est ainsi que je viens auprès de vous solliciter votre prière, frère Anaclé Alice Tabana. Shalom, bien-aimé frère dans le Seigneur, je viens par cette occasion pour vous faire parvenir ma requête. Je demande que le Seigneur m'accorde un bon travail avec un bon salaire pour que j'aie mes propres activités, enfin de servir librement le Seigneur. Frère Justino Tiaba au Kabila. Shalom mon pasteur, je demande la prière pour que le démon de l'hernie qui me dérange, et je crois à votre prière pour ma guérison. Frère Delphin en RDC dans la province du Bas où il est. Voilà, et d'autres requêtes, on va les lire au fur et à mesure. Donc, nous avons reçu toutes ces requêtes et nous disons, notre Dieu est plus que capable tel qu'il a l'habitude de faire. Donc, nous reprenons tous ces services, des requêtes, des remerciements, des témoignages. Ne manquez pas de nous les envoyer comme nous en avons l'habitude pour que nous puissions parler et que cela puisse booster un frère ou une sœur. Alors, nous allons donc commencer tout d'abord par lire la parole de Dieu. Et après, nous allons parler un peu et puis je prierai le Seigneur pour vous. Ici, je vais lire dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16, il est écrit : celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tel que nous venons de le dire, donc, nous avons repris nos services de prière de 20h très tôt le matin. Et ce matin, donc, je voudrais parler juste sur la commission. Avec tout ce qui se fait dans le monde du message, avec tout ce qui s'est dit dans le monde du message, il nous est aussi avantagé de revenir sur ces choses qui font notre force. La commission, c'est quoi? C'est un travail. La commission, c'est quoi? C'est un mandat. La commission, c'est quoi? C'est un ordre de mission. La commission, c'est quoi? C'est un envoi. Et celui qui commissionne quelqu'un, il lui donne aussi la capacité des potentialités. Il lui donne aussi quelque chose qui est comme son absolu. Donc, quand lui, il aura des doutes même sur sa commission, il peut revenir sur cette chose, cette expérience avec Dieu. En ce moment-là, tous les doutes vont se fondre et la mission de Dieu peut être amenée maintenant à bon terme. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je vais parler beaucoup plus sur la commission de William Marion Branham. Je vais parler sur la commission de cet homme-ci. Et en cela, donc, je vais tout d'abord essayer un peu. Vous ne comprenez pas comment cet enfant est, comment il est. Et il fouillait Dieu. Pour beaucoup de lecteurs du message, ils savent, il fouillait Dieu. Il allait parfois, il ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il s'habillait comme un cowboy et il est allé même, je crois, aller garder des bœufs quelque part. Et c'est en ce moment-là qu'il va entendre. Il va entendre, il était en train de regarder, il va entendre un message de télégramme. On lui dira que son petit frère était décédé. Donc, tellement il aimait son petit frère, voilà qu'il va revenir. Il va revenir à la maison. Et quand il arrive, il écoute sa première prédication. Il écoute et il a été bouleversé. C'est comment qu'il va faire les expériences avec Dieu jusqu'à ce qu'il va accepter de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel et il fut baptisé. En étant baptisé, celui-ci, toujours dans son expérience de sa vie, il voyait des choses, des visions. Il voyait des choses surnaturel, il pouvait prier pour les malades et les malades étaient guéris. Et il était dans quelle église? Dans une église baptiste. Avec comme pasteur donc, le docteur Roy Davis qui était un avocat. Et qui était un avocat, mais qui était dans cette ville-là de Louisville. Mais il revenait de Texas. C'était un Texan.
Donc, il était là. Et c'est comme on dit, quand quelqu'un est grosse, on ne peut pas cacher sa grossesse. Donc, il parlait de ses expériences, il parlait de son amour pour Christ, il parlait de comment il croisait, il entendait des voix et tout. Et dans son église, on a commencé à traiter cela des démons. De William Branham, toi, tu as des démons. Tu as des mauvais esprits. Donc, ça ne peut pas marcher. Tu es démoniaque, tu es ceci, tu es ceci. On le condamnait à tout bout de champ. Toute l'église, les pasteurs, tout le monde. Ces choses-là ne peuvent pas exister. Personne ne peut voir encore des visions. Parce que, selon eux, quand ils lisaient la Bible, les visions et les prophéties s'étaient arrêtées déjà à Jean-Baptiste. Mais ils ne savent pas de quelle vision il s'agissait. Il s'agissait de la vision du Seigneur qui devait venir. Tous ceux qui annonçaient les visions de la venue du Seigneur dans sa première venue, cela s'était scellé par Jean-Baptiste. Mais la vision, voir des visions, Paul a vu la vision. Hein? Paul a vu la vision à midi. Pierre a vu la vision. Il a vu comment on a fait descendre quelque chose du ciel avec tous les animaux impurs à l'intérieur. Donc, la vision continuait dans l'église, même l'église primitive dans le Nouveau Testament. Mais son église a commencé à l'attaquer. C'est comme ça que lui, il va prendre une décision catégorique. Il dit, je vais aller en brousse pour aller parler à Jésus-Christ. Je vais aller, parce que moi dans mon cœur, j'aime Jésus. Mais je ne peux pas comprendre que les gens disent que ce que je vois, c'est du spiritisme, c'est des démons, c'est démoniaque et tout, et tout, et tout. Voilà comment il va aller en forêt et il va aller entrer dans une grotte. Il a commencé à prier Dieu. Un jour, rien, deux jours, et le troisième jour, pendant qu'il priait, il va voir un homme, grand détail, qui était vraiment pas comme noir, pas totalement blanc, avec des cheveux qui tombaient derrière. Je sais que quand j'en parle comme ça, ceux qui connaissent déjà la Bible, ils savent de quoi nous parlons. C'était l'ange de l'Éternel. Et cet ange va le croiser, il dit, il était tellement gentil à le voir. Mais il avait aussi... C'est comme s'il avait une capacité, s'il dit un mot, la terre entière peut s'ébranler. Il me regardait, il était tétanisé par cette présence. Et c'est comme ça que cet ange va lui poser la question. Il va lui parler. Il va lui parler de sa naissance. Il dit, tout ce que tu vois là, ce ne sont que des églises. Les églises, ce sont les églises qui ont tué Jésus-Christ. Les gens qui ont tué Jésus, c'était les Sadducéens, c'était des pharisiens. Ce n'étaient pas des païens, parce que chaque fois que Jésus était en face des païens, les païens disaient quoi? Ou les démons disaient quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Donc même les démons disaient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Mais les pharisiens, les Sadducéens dans leur système, ils maltraitaient le maître de l'univers. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, ils sont dans la joie de parler parfois de Jésus. Mais si tu eus été en ce temps-là, quelle serait ta réaction d'entendre que le Jéhovah que nous prions, ce Jéhovah-là est devenu cher ici? Quelle serait ta réaction? Alors c'est comme ça qu'il a commencé à se poser des questions. L'ange a commencé maintenant à lui parler. Il dit, tu es né, ta naissance. Regarde comment tu es attaqué par les églises. Regarde comment. Donc, pour ça, ne t'en fais pas. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Alléluia. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Moi aussi, ça me console parce qu'aujourd'hui, les pentecôtistes ont eu de quoi dire qu'il faut que ça n'ait terminé. Mais ce n'est pas terminé, mon frère. Je vous l'ai dit, vous allez voir comment ce match va se retourner. Parce que nous savons là où nous nous tenons. Nous savons qui est celui qui nous a envoyé ce message. Si vous m'aviez aimé hier, vous ne saviez pas que je croyais le message. Et aujourd'hui, vous êtes surpris et vous croyez le message de Branham. Bon, tant pis ou tant mieux, tant pis. Si vous ne m'aimez pas à cause du message que je crois, ce message qui m'a donné une seule femme avec laquelle je suis 30 ans, je ne l'ai jamais giflé, je ne l'ai jamais trompé, alors vous vous trouvez que ce message-là, je dois la jeter pour devenir qui? Je ne sais pas, mais le message me suffit en soi-même. Le message, c'est ma vie, le message, c'est ma respiration, le message, c'est même ma peau ici. Ce n'est même pas la chemise, parce que la chemise, on peut l'enlever, mais la peau, on ne peut pas l'enlever. C'est même le sang qui coule dans mes veines. Alléluia. Merci. C'est comme ça que celui-ci va commencer à regarder l'ange et l'ange va lui dire, maintenant mets-toi debout, je t'envoie avec deux signes. Il arrivera dans ta vie que tu vas commencer à toucher quelqu'un et tu vas connaître sa maladie juste en le touchant.
Sur ton bras, il y aura des couleurs qui vont commencer à changer. Donc, tu vas voir cela dans ta vie. Mais un autre temps arrivera où tu vas commencer à connaître les pensées de cœur des gens. Tu vas connaître les pensées de cœur des gens. Et il était dans la joie parce que le Seigneur est en train de les rassurer. C'est comme ça que il se mettra debout, le Seigneur, l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même, va lui dire, mets-toi debout, va et amène les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Alléluia. Aucune maladie ne peut résister à ta prière. Toi, amène simplement les gens à te croire. En cela, je vais lire quelques citations rapidement et puis je vais prier. Dans la prédication des expériences prêchée le 14 12 47 paragraphe 12, il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai affronté un démon très hideux qui me maudissait et crachait sur moi cherchant à me mordre. Il était en camisole de force. Et quand je suis allé affronter ce démon-là, tout ce dont j'étais sûr, c'est que d'abord Christ était mort pour libérer cet homme. Là de ce démon. C'était là la parole. Je sais que l'ange du Seigneur était venu vers moi cette nuit-là et qu'il m'avait parlé disant que rien ne pouvait résister à ma prière si je pouvais amener les gens à me croire et que j'étais sincère en priant. J'avais donc un double témoignage. Alors je pouvais lui ordonner au nom de Jésus-Christ de sortir de cette personne. Et cet homme a été débarrassé de la camisole de force et il est retourné chez lui dans un bon sens. Alléluia. Amen. Donc c'est l'ange, c'est Jésus-Christ lui-même qui trouve son plaisir que les gens croient en lui, qui croient dans cet homme-là. Si tu amènes les gens à te croire, alors moi, ta prière n'aura pas de limite. Il n'y aura aucun démon, aucune maladie ne peut résister à ta prière, si tu es sincère. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, dans le message, moi j'écoute depuis 1983, j'ai peut-être 39 ans, 40 ans dans la foi. Ça n'a jamais raté. Ça n'a jamais raté. Quand les gens ont appliqué leur foi là-dessus, ça a toujours été une grande bénédiction. Beaucoup d'entre nous sont bénis, sont devenus des millionnaires à cause de cette commission. Où Dieu disait à son serviteur, amène les gens à te croire. Dieu se révèle à son peuple, prêché le 13 8 50 le soir, paragraphe 65. Maintenant qu'il n'y a qu'une seule chose que je puisse dire, un être surnaturel, c'est que son nom, sœur, je ne connais pas. Celui qui me parle, Dieu, qui connaît, se tient ici devant moi. Et la Bible est posée ici. Il sait que c'est la vérité. Cet être surnaturel m'a dit. Il a dit que si j'amène les gens à me croire, alors même, pas le cancer ne résistera à la prière. Eh bien, c'est ce qu'il m'a dit. Il aura à répondre de cela devant Dieu. J'aurai à répondre de la vérité de ce que je connais. Amen. L'ange va répondre devant Dieu et Branham répondra de cette vérité que l'ange lui a dit. Et nous aussi, nous prenons ce que Branham a dit, nous n'allons pas répondre de ce que Branham a dit. Nous allons répondre de ce que les bandes ont parlé et nous n'avons pas répété exactement ce que les bandes ont dit. C'est pourquoi il nous est donné ici l'occasion de ne répéter que ce que le prophète a dit. Je vais refaire encore une autre bande à la fin ici. C'est un peu comme la petite citation que j'ai donnée hier. Il y a des frères des États-Unis. Ça a créé des discussions là-bas parce que dans la prédication, moi j'avais dit que les anges se sont fondus en moi. Mais sur la citation, ils ont vu en anglais et plutôt en français, c'est écrit, ils se sont fondus sur moi. Et ils croient que, donc j'ai exagéré, ils croient que j'ai dit n'importe quoi, mais non. Nous allons lire ça en anglais et vous allez comprendre que moi, je lis toutes les versions. Je lis aussi l'anglais. Et en anglais, on ne dit pas sur moi. On dit into me. Into me. Into me veut dire dans, à l'intérieur. Donc c'est ce qu'en anglais on dit. Donc nous allons le voir très bientôt. Nous allons essayer de corriger un peu les gens qui sont là toujours en train de chercher. Il a dit, il a fait. Donc bon, c'est malheureusement. Même quand vous cherchez comme ça, ce n'est pas pour croire. Vous voulez simplement dire, voilà même, et il n'a pas cru. Mais est-ce que vous-même, vous croyez le prophète en question? Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas, ne lisent pas. Donc, l'ange est responsable de cette commission. Frère Branham est responsable
de dire la vérité sur ce que l'ange lui a dit. Et nous aussi, nous devons amener le peuple à le croire, lui. Parce que c'est cela qui a été donné comme commission aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais terminer avec cette citation ici. Il dit dans la prédication, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, prêché le 11-9-60 le matin, paragraphe 154. Et ce pauvre monde malade et infirme atteint une délivrance et il regarde à un panneau de signalisation. Miséricorde, le panneau de signalisation n'est d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà le nouveau ministère. Cela vient de m'être révélé. Prie pour les malades. Amène les gens à te croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. » Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe. Combien j'ai failli misérablement. Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec des signes. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a béni cela de toute façon. Mais je suis prêt à quitter cette montagne. Je vais traverser le Jourdain. Je vais exécuter la commission. Amène les gens à te croire. Frère Branham dit qu'il avait failli, c'est quand il était là simplement en train de chercher à imposer les mains aux malades, sans tout d'abord amener les gens à le croire. Alléluia. Hein? Quelqu'un va encore s'accrocher, vous voyez, il a failli. Non. C'est que lui, Dieu lui a dit amène les gens à te croire, mais lui, il venait directement, il imposait les mains aux malades. C'est pourquoi il a dit, je vais maintenant traverser la montagne, je vais aller de l'autre côté, m'en tenir seulement à la commission. À maintenir, qu'est-ce que la commission amène les gens à te croire? Amen. Et déjà, il y a des pentecôtistes qui sursautent parce que là, on est censé croire simplement au Seigneur Jésus. Comment un homme, papa, c'est l'ange qui lui a dit. À moins que vous dites, frère Branham, c'est un faux prophète. Nous avons expérimenté ça. Ça a donné des millions. Et toi qui es malade, crois ça. C'est simplement si tu peux croire. Comme frère Branham lui-même, il explique, il dit que croire en moi, ça veut dire quoi? Croire en moi, ça veut dire quoi? Il dit ceci. Le noble Romain, paragraphe 23. J'avais entendu cette voix depuis que j'étais un petit garçon, mais je n'avais jamais vu cela auparavant. J'avais vu cela sous forme de tourbillon quand il parlait. Il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas prier pour les malades. Tu seras envoyé dans le monde entier et des grands miracles se produiront. Il a dit, amène les gens à te croire et puis sois sincère quand tu pries. Aucune maladie ne résistera devant une prière. J'ai dit, monsieur, eh bien, ce n'était pas une vision. Cet homme se tenait là, tout aussi réel que je me tiens ici. Je sais que c'est une vision. Je sais ce qu'est une vision. Cela n'était pas une vision. Alors il a dit, j'ai dit, monsieur, j'habite parmi les miens. J'ai dit, je n'ai pas d'instruction. Je ne peux aller. Il a dit, tu prieras pour le roi et des monarques. J'ai prié pour les quatre différents rois. J'ai vu des grands signes et prodiges. Et j'ai dit, ils ne me croiront pas, monsieur. Amène les gens à te croire. Frère Branham lui-même trouvait ça, c'était grave. Avec tout ce qu'on écoute là, Branham a commis des erreurs. Il a fait, ah, frère, nous nous revenons là. C'est la commission, c'est ce que l'ange a dit à son serviteur. Amène les gens à te croire. Plus loin encore, l'ange a ajouté tout ce que toi tu as aimé. Tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Ils vont hériter le ciel. Dieu dit, tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé, je te le donne. Croire en lui, l'aimer, et tout cela fait que Dieu lui-même le lui donne pour le ciel. Donc c'est cette commission-là. Frère, ce matin, moi aussi je te le dis, crois dans cette commission. Ne sois pas tangant, ne sois pas en train de basculer à gauche et à droite. Crois cela. C'est ce qui a rendu, moi je me rappelle, à Luanda, un monsieur Simao, il m'avait dit, est-ce que votre prophète là, c'est un vrai prophète? Nous avons mis nos genoux à terre, on a prié pour lui. Il a eu de l'argent, beaucoup d'argent, il a conçu même des immeubles. C'est une commission qui ne rate pas. On lui a dit, il faut croire dans cet homme. Comme Branham lui-même, il dit, ne me croire comme étant un homme, mais de me croire comme celui qui dit la vérité de la part de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Me croire comme celui qui dit la vérité de la part de Dieu. Voilà.
Donc si tu crois ça, frère, ce matin, peu importe le problème, j'ai entendu des requêtes, des gens qui ont besoin des maisons, des gens qui ont besoin de ceci, des gens qui ont besoin de cela, je crois, notre Dieu le fera. Il te le donnera. Il est capable de le faire. Mais toi, base-toi sur la commission. Base-toi sur la commission. La commission, c'est un envoi, c'est un mandat. Quand quelqu'un est commissionné, tout le ciel est derrière lui. Donc toi aussi crois ça. C'est ce que Dieu a dit à son serviteur. Si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Maintenant donc nous allons prier tous ensemble. Quand nous prierons et à la fin, moi je reviendrai, je prierai pour tous ceux-là qui ont des problèmes, qui sont malades. Et j'ose croire que le Seigneur fera quelque chose. Prions donc le Seigneur. Dieu notre Père céleste, donateur de tous les dons excellents, je te remets tes enfants qui en ce matin ici, Seigneur, se sont réunis les autres avec les enfants, les autres avec les familles, Seigneur, en train de te parler. Nous tous, nous revenons à la commission. Nous tous, nous revenons à ce que toi tu as dit à ton serviteur, nous donne. Que s'il amenait les gens à le croire, aucune maladie ne pouvait résister à sa prière. Papa, nous croyons dans cette commission. Je crois la commission. Je crois la commission de l'ange. Je crois ce que toi tu as dit à ton serviteur. Même si la mer est houleuse, même si il y a des gens qui commencent à abandonner la foi, Seigneur, mais nous revenons sur ce fondement. Nous revenons sur ça. Parce que derrière, ce n'était pas un homme qui avait parlé. C'est Dieu lui-même qui a parlé à son serviteur. Si tu amènes les gens à te voir, ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Oh Dieu bien-aimé, laisse que tu puisses faire quelque chose pour mon frère qui te regarde, qui regarde maintenant cette commission. Pour ma soeur qui regarde maintenant cette commission. Pour celui-là qui regarde cette commission. Père, change les choses dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Change les choses dans sa vie au nom de Jésus-Christ. À celui qui est malade, tu as dit à ton serviteur, si tu amènes les gens à te voir, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Tous ceux qui sont malades, nous condamnons les démons de maladie de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ, d'aller dans de vieux arrières. Seigneur Dieu, agis puissamment, papa. Agis puissamment. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Agis. Papa, il y en a aussi de ceux qui ont besoin d'argent. Il y en a aussi de ceux qui ont besoin que tu puisses agir dans leur vie. Père, moi-même, je suis en train de prier. Je demande que tu me donnes la foi. Que je ne puisse pas fléchir. Que je ne puisse pas abandonner. Que je ne puisse pas laisser, papa. Que je puisse m'accrocher à cette commission. Père, c'est ce qui me soutient depuis tout ce temps. 40 ans de foi. Oh Dieu, bientôt 40 ans de foi. Mais Seigneur, tu m'as toujours gardé. Tu m'as toujours soutenu, oh Dieu bien-aimé. Merci Père, merci pour tout cela. Merci pour cette grâce incommensurable. Merci pour cette parole incommensurable. Dieu Tout-Puissant, maintenant alors que je m'abandonne complètement entre tes chères et saintes mains, je voulais simplement te dire, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis les enfants, bénis tous ceux qui sont à genoux en ce lundi, Père, qu'ils commencent cette journée avec la gloire de la Shekinah qui doit les accompagner, Père. Je crois que, Seigneur, ce que nous t'avons demandé, toi, tu nous le donneras. Au reste, Père, que cette commission puisse me fortifier, Seigneur Jésus. Que cette commission me donne de la force au Dieu pour te servir, Jésus. Voilà que nous avons des réunions, Dieu voulant, dans l'église de Pasteur Grasse. Je te prie, Père, que toi-même tu descendes pendant ces réunions, que tu guérisses ton peuple, que tu bénisses ton peuple, que tu soutiennes ton peuple. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Sois loué, sois béni, exalté au siècle des siècles. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait par amour. Dieu miséricordieux, donateur de tous les dons excellents, tes enfants se sont réunis. Il y en a de ceux qui ont des besoins. Il y en a de ceux qui ont besoin que tu descendes pour entrer dans leurs problèmes. Mais nous les avons amenés tout d'abord à toi, à la commission. Et ils ont cru à la commission, papa. Je te prie maintenant, au nom de Jésus-Christ,
de bénir celui qui est dans des problèmes, celui qui a besoin d'argent comme nous avons vu, Père. Bénis tes enfants, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Donne-leur l'argent au nom de Jésus-Christ. Père bien-aimé, je te remets maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont malades, oh Dieu, il n'y a que toi le guérisseur de nos vies. Ils ont crié à la commission. Père, maintenant, notre prière est que tu leur guérisses au nom de Jésus. Parce que dans cette commission, rien ne peut faire obstacle à la commission de ce jour. Père bien-aimé Tout-Puissant, nous t'avons déjà vu comment tu l'as fait avec des païens. Tu l'as fait même avec beaucoup de frères. Tu peux le faire aussi pour mon frère qui écoute ce matin. Bien-aimé, qu'ils commencent cette journée avec la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ accompagnant leur vie. Ils croient la commission. Ils mettent leur foi sur la commission. Agis puissamment au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé à cause de lui. Amen. Amen, amen, amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Je crois que les témoignages continuent. Donc, nous disons à tous nos frères et sœurs de nous renvoyer les témoignages, tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur fera et tout ce qu'il a déjà fait. Envoyez-nous le témoignage pour que nous puissions donner cela à la prochaine réunion. Encore une fois, tous et à toutes, un très grand shalom. Que Dieu bénisse.